Chers jeunes du KT, nous sommes en train de suivre les dernières étapes de Jésus à Jérusalem. 3 jours où tous les chrétiens du monde entier essaient de suivre le Christ, de vivre intensément leur relation avec Jésus qui nous a sauvés sur la croix. Le jeudi, Jésus s'est abaissé et il a appris à ses disciples d'être au service des autres. Et puis il leur a dit, « Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du monde. » Quand vous vous réunissez, bénissez ce pain et ce vin, écoutez la parole de Dieu, et moi je serai présent à travers cette célébration. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Tout juste après le repas, la nuit du jeudi saint, Jésus part prier comme d'habitude. Il va prier la nuit au jardin des Oliviers. Il aura à ses côtés les disciples. Mais eux, ils ont du mal à rester éveillés dans la prière avec Jésus. Mais n'oublions pas, l'un des disciples appelé Judas l'a déjà trahi. Il a indiqué aux soldats qui viendront l'arrêter où le trouver. Alors pourquoi ils vont tuer Jésus? Pourquoi tant de haine? Pour 2 raisons. D'abord, il y a tout ce groupe des chefs religieux qui lui reprochent de se prendre comme fils de Dieu, le roi, le Messie. Et puis, deuxième point, c'est parce que la présence de Jésus crée du désordre dans la région. Alors, c'est le moment. Condamnons-le. Et Jésus sera condamné jusqu'à la mort. Quand Jésus a accepté d'aller à Jérusalem, il nous tire tous vers le salut. Il va donner sa vie pour sauver toute l'humanité. Nous serons tous sauvés. Parce qu'il est venu pour ça, pour nous sauver. Alors, il va prendre sur ses épaules une croix en bois. On le charge. Une croix très lourde qu'il doit porter jusqu'à la colline. Et là, il va donner sa vie. Cher enfant, cher jeune du KT, nous aurons le vendredi saint 2 célébrations. Nous aurons d'abord le chemin de la croix où nous suivons Jésus pas à pas jusqu'à ces derniers moments de vie sur la terre. 14 stations. Et plus tard, le soir, nous nous retrouvons pour célébrer la passion du Seigneur. Alors c'est le moment où tous les chrétiens prient pour la souffrance. Nos souffrances, la souffrance des gens que nous aimons, la souffrance du monde entier. Voilà, n'oubliez pas que ce jour, vous devez prier, vous aussi, en pensant à ce qui ne va pas dans nos familles, les difficultés entre papa et maman, entre moi et mes frères et sœurs. Mais aussi
la maladie de ma grand-mère, de mon grand-père, et puis de tous ces événements que nous écoutons tous les jours, les malades de Covid. Voilà, tous ensemble, nous allons nous mettre à genoux et prier. Mais chassons une chose, Jésus est de notre côté. Alors, nous pouvons fermer les yeux et penser à quelqu'un qui est dans la souffrance et prier pour lui. Et pour terminer, je vais donc me signer de la croix des chrétiens, la croix de l'amour, la croix où le Christ a vaincu la mort. Nous pouvons donc tous ensemble nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.